Ouais, il coûte 75 000 le champ à côté. Wow, bah Il déjà appartient en à perte, on Leroy va voir. Jenkins. What? C'était sérieux là? Non, c'est Deroy Jenkins. Ouais, Mais c'est Jenkins quand même. Bon bah, la moissonneuse est utilisée là ou pas? Non. Ok, bah je vais avec la moissonneuse. Moi j'ai bientôt fini, il me reste encore un voire deux. Moi deux j'ai trucs fini sur de le... j'ai fini de faire l'engrais sur le champ là. Du coup, tu viens engraisser le mien là, c'est ça? C'est ça. Engraisse l'autre et puis après, moi je vais récolter avec la moissonneuse et on replante direct sur l'autre. Comme ça, après on fait pousser les trois champs d'un coup. Ouais. Parce que donc il y a un champ là, lui il est complètement replanté, c'est ça? Celui-là, ouais, ça y est, replanté, j'ai mis l'engrais et tout. Donc il y a le deuxième champ où il faut replanter. C'est fait. Il vient, je le termine là, il me reste et je m'apprête à faire l'engrais sur le deuxième champ et après c'est et après fini goal, goal troisième hein. C'est ça. Je te jure, franchement, on s'achète, je ferais pas une ferme là les mecs. Alors par contre j'ai plus d'engrais moi. T'avais pris de l'engrais liquide ou pas Marco? Ah ouais, j'en avais pris ouais. Il doit et y en rester. La... Il doit y en rester si une reste palette. Une palette, c'est la palette blanche bizarre. Une... Ouais, blanche avec un truc bleu. Ouais, si c'est bon, c'est bon. Celle-là c'est la palette engrais liquide ouais. Ok, là, je vais bon. Je me savais. Oh putain, qui c'est qui a pas vidé la moissonneuse? Ah bah à ton avis. Prof, du coup je peux pas récolter. Je me demande si avec la bûche je peux pas vider directement dans notre stockage. Non, je vais vider dans un camion. Quelqu'un s'occupera de vider le camion par contre. Par contre on est un peu just. Je vais plutôt bouger le camion. Il faut que je me recharge en graines avant et j'arrive au vin. Ouais mais ouais. Le vin attends, j'ai pas encore moissonné. Ouais je sais mais le temps que je me recharge et tout ça. Le 14 est prêt monsieur. De ouais, toute façon faudra vider un camion donc Ah ouais non mais du coup t'as perdu. Ah tout non l'engrais. Ouais alors attends parce que lui je vais juste mettre un tout petit peu dans le. Il est pas perdu, il est par terre, tu peux le ramasser. Bah pourquoi ça marche pas ça? C'est de l'engrais solide que t'as besoin là-dedans. T'es sérieux là? Dans celui-là ouais c'est de l'engrais solide ouais. Ah le solide on l'a encore. Ok. Hein. Alors tu non, sais. Non ce c'est celui-là que tu t'as perdu. Tu sais ce qu'on va faire. Hop. Non c'est le liquide. Ah non c'est le solide. Garage. Mais regarde si tu peux pas le récupérer. Mis... Après au lieu de vous faire chier avec le transport palette, vous les achetez là-bas, vous amenez vos machines. Ouais, il faut peut-être laisser un transport Attends, palette là-bas. Mais y a pas besoin de transporter les palettes, t'amènes les machines mettre, et tu transportes directement. Enfin tu remplis directement, non? Tu peux le remplir même s'il est juste à côté? Ben je pense oui. Parce que là j'ai pu remplir mon camion alors que j'étais juste à côté. Oui. Regarde si tu peux pas récupérer celui qui est au sol hein. Pourquoi t'as revendu le gros cultivateur? Parce que je vais prendre le meilleur qui combine tout. Ah, la cultivateur ça on peut vendre aussi, hop. Bon y a pas de ballot de paille sur le champ 20. Les champs, c'est bon, on peut vendre. Ah c'est des poids le champ 20. Oui c'est ça ouais, c'est du soja. Ouais, et ça vaut super cher, ça c'est trop bien. Ouais je sais. Par contre. Celle-là elle coûte 4. Alors elle coûte 7600 à acheter. Et sinon on a celle-là qui est trop bien aussi, qui coûte 17 900. Attends, c'est dans quoi tu les regardes? C'est dans cultivateur. Mais vous avez ouais, vous... Non c'est les machines à ensemencer et en fait il y en a deux de tout. En tout et pour tout, il y en a deux qui permettent de. Tout faire en même temps, c'est-à-dire labourer, semer et mettre de l'engrais. Et c'est la Pronto qui nous coûtera du coup, voyons voir, 7600 coût initial et ensuite 960 par jour. Ou alors l'autre qui est plus grosse, en fait, elle a 15 mètres de large au lieu de 9 mètres, qui nous coûte 17 900 là et ensuite 2 200. On est raisonnable ou on prend la meilleure? Écoute, on a plus de thunes, on va peut-être. Bah, vous avez réemprunté parce qu'on a 70 000 de thunes là. Non, c'est parce que ouais, j'ai vendu le plein seul de trucs. Inconvénient là, tu vois, c'est qu'on peut plus. Tu vois, par exemple, là, on peut plus faire plusieurs tâches en même temps, quoi. Toi, tu peux en faire une, mais regarde là, moi, si je vais aller ouais. En semencer le 14 pendant que tu fais le truc, tu vois, ça c'est chiant. C'est donc, vrai. Sois raisonnable et on va racheter okay. Une ensemenceuse tout court en plus. Ouais, je vais chercher un truc au garage. Tu peux en acheter une ensemenceuse classique aussi, Stap? Ouais, bon, c'est con du coup si j'aurais dû la laisser, mais. Ouais, bah, wow, on savait pas, c'est pas. Attends, c'est pas une ensemenceuse qu'il faut, c'est. Si, c'est une ensemenceuse. Épandeur à engrais. Épandeur à engrais plutôt, ouais. Et achète de l'engrais aussi. Alors, attends, ouais, du coup, il faut le camion, putain.
Alors attends, non, ça c'est quoi? C'est hop. Il y a des trucs dans le camion. Je comprends pas comment on peut faire le liquide ou le solide. Enfin, c'est. Je prends le plus petit du coup dans ce lanceur ou. Ah non, je vais prendre celui du milieu. Bah, je vais reprendre celui qu'on avait en fait. Ah bon. Bon, bah, je suis désolé, je me suis fait perdre 2000. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, les palettes à engrais. C'est juste une journée de ton. Alors, attends, là. Ça c'est engrais solide. Alors, ah, donc toi t'avais pris du liquide et ce qu'il nous faut c'est du solide, c'est ça l'idée? Ouais, je pense. Attends, il y en a. Attends. Il y a plein de palettes ici. Attends, il y en a ici. Il y a des palettes bleues et des palettes vertes. Donc, il y en a ici, rachète pas. Il y en a au garage. J'en avais acheté en map en plus. Ok, donc en gros, il faut que je prenne. Faut que je vienne avec le camion et que tu charges tout. Mais sinon, venez directement avec les trucs à charger, hein. Prends ta machine pour prendre ta cultivateuse et puis ça va charger automatiquement. On va voir si bah, ça marche. Je suis pas sûr, hein. Bah moi j'ai pu charger dans mon camion alors qu'ils étaient à côté, hein. Ouais, bah je vais te le dire si ça marche, attends. Donc en fait, depuis tout à l'heure, quand on se fait chier à le mettre au-dessus, on n'était pas obligé. Alors, rempli répondeur à engrais. Putain, ça marche. Donc regardez si vous pouvez récolter celui qui est par terre, hein. C'est pas impossible en plus. Ah, c'est ça les trucs blancs par terre? Oui, c'est ça. C'est deux trucs d'engrais. Qu'est-ce que j'ai pris là? Ah oui, moi j'ai pris de l'engrais là. Ok. Ok. Donc, j'ai rempli à 2000 d'engrais moi. Ok. Du coup. Et bah, donc le mien il est pas rempli. Ah, remplir, tiens. Par contre, remplis le de graines aussi, hein, toi. Bah là, il y a que des graines, en fait, ici. Ouais, rachète des trucs à engrais, en fait, je viens de les prendre, les deux qui restaient. Ah bah bravo. Et le truc blanc par terre, les mecs. Testez si vous pouvez récupérer le blanc par terre. Ouais, je vais essayer. C'est de l'engrais par terre, c'est ça? Ouais, c'est de l'engrais, ouais. Ouais, je vais passer à côté, je vais te dire ça. Il te reste de la place dans ton truc? Ouais, il me reste 2000 encore à caler. J'ai 999 alors, sur... Semences, j'en ai. Et il faut mettre vos bâches, ça fait perdre de l'engrais en fait, il s'enlève. Ouais, je le mets toujours moi. Alors, on va essayer ça. Ah, je le vois. Non, on peut pas le récupérer, donc ça veut dire qu'en fait, il faut le récupérer avec un outil... C'est mort. Ouais, je vais essayer de le faire après. Ah, et donc c'est bien du solide qu'il me faut moi pour lui en tout cas. Pour moi, le champ numéro 20 est fini. Acheter, oui, ok. Ok, moi je suis sur le 14. Putain, ça va aller vite, hein, le champ 14. En 3 coups, ça va le faire. Ok, donc moi c'est bon, j'ai la machine. Donc c'est la machine raisonnable. Qui ne va pas servir là tout de suite, en fait. Du coup. Mais pour la prochaine fois, les champs... En gros, il va y avoir juste la moissonneuse batteuse, ensuite potentiellement le truc pour les ballots de paille, et ensuite ça, et c'est fini. Ok. Ah, par contre, la moissonneuse, elle descend en litres. Hein. En litres de quoi? De carburant, ça? D'essence, ouais. Je sais pas du tout combien ça coûte, par contre. Merde. J'arrête pas d'appuyer sur A pour... Je vais passer, là, moi, le mien... Je dois être à 95%, donc je vais m'arrêter voir combien ça coûte. Ah mais on est une pompe juste au niveau de la ferme en fait. Ouais. Ravitailler. R. Ouais, regarde, ça descend pas des masses, ça va. Ouais. Ça va, et ça c'était pour genre 5%. Mais vu que ça... Vu ce que combien ça descend, de litres à peu près 70, je dirais. Ah ouh, ça va. 80 peut-être. Franchement ça va, ça coûte aussi cher que ça. Il est défiscalisé, l'essence. Mmh. Ok. Il faut juste pas tomber en panne en plein milieu d'un champ, quoi, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Il le reste 14 est fini. Il reste quelque chose à faire dans sur les petits ou pas, Pierre? Non, mais sur le 20, il faut replanter. Ah, bah voilà, bah tiens, c'est ça que je vais faire, super. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide de planter? Alors attends, je vais te le dire. Si je peux planter du soja, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, soja, c'est bien, ça rapporte. Soja, ça va nous faire de la thune, ouais. Mais merde, arrête d'appuyer sur la touche A. Moi, c'est toujours sur la touche E que j'appuie. Ouais, c'est la touche A. Hop, voilà. Là, il y a... Alors, du coup, sélectionner semences. Moi,
Le soja, c'est lequel? Je peux le faire, le soja, vous êtes sûr? Moi, je l'ai fait avec ta machine. Il ressemble à quoi, le soja? C'est celui qui a sort de deux têtes? Non, c'est une espèce de petit pois. T'es non, sûr que c'est petit, pas du soja, ça? Petit pois, c'est... du... c'est ah so... si, soja. C'est soja. Mais ouais, attendez, attendez, si vous voulez, on regarde combien j'ai récolté avant, combien ça rapporte de thunes. Hein. Non mais c'est carrément ce qu'il y a de mieux, si tu le ramènes à l'entrepôt à légumes, ça monte jusqu'à 1000, c'est quasiment 1000. Ouais, mais j'en ai pas récolté beaucoup en fait. Ah, alors, là il y en a 6757 au total dans notre réserve. Ouais, et là je vais te dire combien j'en ai récolté. Vas-y. 4400. Ah, tu... 4400 sur le champ. Sur le champ en entier, ouais. Après c'est un 4400. Petit champ. Après c'est le plus petit champ qu'on... Si, si, il est beaucoup 14, plus... quand même. Il est... Non, non, non. Il est plus et, petit. Les prix, c'est pour 1000 litres, hein, c'est ça? Ouais. Ou c'est par litre? Non, c'est par 1000 litres. C'est par tonne, hein. Par tonne, ouais. Oui, c'est pris pour 1000 litres. Donc, putain, mais qui c'est qui a déposé... Oh, tous ces camions, là. C'est infâme, on peut pas passer. La remorque, coup, là. 4000, ça va rapporter... Ça va rapporter un peu moins de 10 000. C'est déjà pas mal, voilà. Quand même. Moi, je suis en train de ranger tous les trucs, là, donc... Ça, c'est Bill qui fout le bordel. Ah non, 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 moi je range toujours mes trucs. Bah, y a ton gros tank là qui était en plein milieu, Bill. Mon tank, ça fait un bout de temps que j'ai pas touché en vrai. Genre. Bon, non, c'est pas faux. Enfin, c'est pas vrai. C'est la remorque qu'il faudrait ranger en fait. Alors, où est-ce que ça se vend le plus cher? C'est à l'entrepôt à légumes. Hein. Ouais. 1500. Et comme ça, après, tu peux acheter direct l'autre champ. Je suis pas sûr qu'on ait assez. Donc nous on a le 14, 19, le 20, ouais, après tu peux acheter le 15. Après il y a les champs aussi 21, 16, etc. qui peuvent être pas mal, hein. Ouais, ils sont pas tout petits ceux-là, ça va. Et surtout ils sont en longueur, c'est plus simple à récolter. C'est vrai. Je sais pas, le plus grand champ c'est le 18, je crois. Quand je repense à l'autre champ, mais il était vraiment mais genre immense quoi. Ah bah ouais, les champs qu'on avait dans Saint-Bro, ah oui, machin, mec, on a mis 200 ans à le récolter. On a vidé 3 camions quand même. Bah au moins ça a rapporté du pognon. Ah carrément, ouais. Oh non, c'est l'entrepôt à légumes, vas-y, c'est trop la merde pour aller là-bas, ça rentre pas avec en camion là. Heureusement qu'ils récoltent. Tu m'étonnes que ça se vend cher là-bas. Ah, faut le mériter, hein. Voilà, ça c'est rangé. Je vais ranger cette bagnole-là. Qu'est-ce qu'elle fait là, ici? C'est quelqu'un qui a été voir le prix, ça. De quoi? Non, quand j'ai acheté le champ. Oh merde, oh merde, oh putain, oh merde, pardon, Bill. Oh merde. Oh, t'es sérieux? Non, non, ça va, t'inquiète. Il y a juste une petite trace de pneu, quoi. Mec, il est parfait, ce champ. Oh, putain, merde, le deuxième. Mais chaud, par quoi? J'aurais bien commencé à récupérer de l'herbe pour faire de l'ensilage, non? Que tu veux faire de l'ensilage? Ça sert à quoi l'ensilage? En fait, on peut faire notre animaux, propre engrais juste avec l'herbe et on pourra nourrir nos animaux pour par la suite. Mais faut faire une tondeuse à gazon, non? Je pense que franchement, les animaux, ça a l'air relou, non? Ouais. Puis ça donc en fait, on va faire que des champs tout le temps? Ouais, bon, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais là, petite homme? Pourquoi tu. Ah, d'accord, t'aimes pas juste ça. Okay. Voilà, ça c'est rangé. De lui là, qu'est-ce qu'il fout là? Pognon! Cool. Donc, ça c'était juste 4000 de soja? Non, en plus, il y avait 11000, donc parce que j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le silo. Oh putain, me dis pas que je peux pas. Recule, vas-y, recule. Mais donc, tu vois, c'est pas ultra ultra rentable. Ouais. Ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est savoir c'est sur un champ, sur le même champ, lequel est le plus rentable, en fait. Parce qu'il y a quand même les ballots de paille aussi à rajouter, tu vois. Les ballots de paille, puis t'en récoltes plus, en fait. Parce que là, j'ai pas récolté grand-chose, hein. 4000, il faudrait peut-être planter autre chose et voir combien... Ouais, mais alors, non, mais attention, parce qu'il y avait peut-être pas d'engrais sur le champ... C'est vrai que je l'ai récolté de base, ouais, attention. Je l'ai récolté de base parce qu'on l'a acheté comme ça, donc on sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant. Non, il faut vraiment faire quelques calculs et puis voir si...
Là, on va voir le champ 14. Le champ 14, il va sortir du soja. Donc, on va bien voir combien il rapporte. Bah, il suffit juste de planter, d'accélérer, c'est bon. Ouais, bah, je d'ailleurs, quelqu'un veut aller regarder le champ genre 21 et tout. 21, il est vachement en longueur, ça a l'air cool. Je vais regarder le 21. J'arrive. Il est où, 21? Le 21, il est de l'autre côté de la rue, à côté du vent. Le top du top serait le 23, mais à mon avis, il coûte cher, sûr. Ah bah, le 23... Bah, c'est celui que j'avais regardé, il est à 400 000. Ouais, c'est pas si cher que ça. Ouais. Ah, putain, ouais, il faut quand même faire quasiment 20 récoltes avant de... Oh, quoi que non, peut-être qu'il... Bah, oui et non, parce que du coup, à chaque récolte, maintenant, on a un champ de plus, quoi. Bah là, on a 3 champs hein, pour récolter, donc ça va vite. On hein. en a 4, des champs. Non, 3, pas 3. On n'a pas encore le 15. Je me projetais. 349 000, le 23. C'est pas, hein. pas si cher que ça, hein. Ouais, c'est ça. Et le 21? Mais après, il va nous falloir 2 moissonneuses, mec, hein, parce que... 21, j'y vais. Et j'ai tout bien rangé, putain, la maison, je vous jure, c'est tout propre. Ouais, à part la grosse remorque de camion au milieu, là. Bah oui, mais j'ai pas le camion, faut que je l'enlève, c'est toi qui avais le camion, il est où le camion? Je l'ai plus. Je l'ai rangé. Ouais, je vais la ranger, la remorque. Ouais, range-la dans un coin, elle sert pas à grand-chose. D'ailleurs, on pourrait la virer, cette remorque, elle nous sert à quelque chose ou pas? Bah pour le moment, non, mais bon, après, c'est toujours pareil, ça coûte plus cher en location que... Allez. Et après je vais faire un tour aux finances, regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, je trouve qu'on s'en sort bien quand même. Bah là on a pris un bon rythme je trouve. Hein. On est sur la bonne pente là. Hein. Alors le champ 21... 100 000. Oh ça va hein. Ouais. Mais c'est ce à quoi je m'attendais globalement. Je sais pas qu'est-ce, en termes de qu'est-ce prix, qui ça me est planté honnête. Dessus. 21. Ah ouais oui, le champ 20. En fait, les champs qu'on achète, ils sont pas fertilisés. Donc c'est pour ça que on récolte pas grand chose. D'accord. Comment tu le sais si un champ est fertilisé? Tu le regardes dans la carte, détails. Tu peux. Donc là, on a 200 de soja et un champ de blé. Et le 21, c'est du soja aussi. Le 15, c'est du maïs. Ok, moi j'ai terminé le champ 20. Bah, donc du coup, on peut accélérer le temps. On peut accélérer. Ouais, vas-y, accélère. Vas-y, j'accélère. Par contre, là, ça veut dire. 120, c'est le max ? 120, ouais. C'est bon. On a juste à attendre que ça pousse. Voilà, c'est bon, tout est rangé. On va monter en haut pour regarder ce que ça donne au niveau des champs. Et après, faut moissonner, repartir. Et je pense qu'on va dégager quasiment 100 000. Oup, op, op. 100 000 en tout, tu crois ? Oh, je suis pas sûr. Hein. Bah, on est à 72 000, 30 000 faut qu'on dégage en tout. Ah oui, non, les ballots de paille, ils sont vendus. Hein. Ah, d'accord, cool. Ah, je vous vois en bagnole et tout. Excellent. Putain, ça fait trop genre, on a la ferme et tout. Après, regarde, c'est bien rangé et tout. Hein. Ah, va. J'ai tout bien rangé, ça fait propre là. Ça fait du bien. Hé, hey, regardez, ça a déjà commencé à pousser là. Nickel, ah ouais, nickel. Tu es sur les toits. Ah ouais, c'est rapide. Hein. Le champ d'à côté aussi. Ouais. Et alors, attends, du coup, en finance, qu'est-ce qu'on a fait on est encore dans les négatifs hein, quand même, bon, tu bon. De quoi, en finance ouais. Oui, mais parce qu'on a acheté plein de trucs. Ah, il faudrait un brut et un. On est à moins 5000, sachant que on est à moins 5000, on a acheté 71 000 de champs, on a vendu 40 000 de véhicules, et on a loué pas mal en termes de véhicules, donc... Ouais, il faut... C'est dommage qu'on ait pas un état genre que de la production... Et revenu des récoltes, on a récupéré 44 000 des récoltes. Bon, il y avait du pas stock, mal. Mais plus 4 000 de balles, plus 4 000 de revenus de la propriété, donc on est à 50 000... Les 30 000 c'est faisable hein, pour la prochaine journée. Bon, même si on va descendre en truc parce qu'il y a les coûts des locations qui vont arriver. Ouais, mais ouais. C'est bien aussi de se projeter pour voir combien ça nous coûte vraiment par jour la location sans juste tous les coûts. À 30 000. Facile. 30 000 par jour? Non, moins que ça. Hein. Ah ben, je pense qu'on est au moins à 15 000, ouais.
10-15 000. Tu vas où avec ton camion je me dis, autant vendre tout ce qui nous reste comme stock pendant qu'on attend. Hein. Ouais, bonne idée. Sinon, moi, je vais me chercher à manger. Une fois que tu auras fini avec le camion, tu pourras le mettre juste à côté du grand champ. Tu sais, comme ça, il est déjà prêt. On va tout préparer. Ça va être tout nickel. On n'a plus qu'à commencer notre journée, tu vois. Alors, tiens, on a un petit peu de maïs. La moissonneuse. Et où est-ce qu'elle est, la moissonneuse? Alors, il se vend où, le maïs? Ah bah ouais, en plein milieu, nul. Le maïs, c'est ça, 700. Élévateur du village. Oh putain, on est passé à 50 000, là. Ah oui, ça passe à minuit, en fait, les trucs. Ah oui, non, quand même, d'accord. Donc ouais, non, t'avais raison, c'est bien genre 30 000 de coût de location. Mais qu'est-ce qu'on... On doit avoir un truc qui coûte vraiment très rush, hein. Bah, tu sais, entre mon camion, la remorque, le tracteur, la moissonneuse, le cultivateur, on n'en a pas qu'un seul, les trucs qui coûtent cher. Hein. Comment on les voit, les trucs? Ah, c'est par moi, ça? Alors, ça non, pousse? Attends, ça nous coûte... Ah ouais, par mois, c'est 10 000 balles! De quoi? De quoi? 30 000 balles! Me dis pas que ton gros camion il s'appelle MT-900E, c'est ça? De quoi? Le camion ou tracteur? Ton gros, là. Ton gros tracteur. Tracteur? Non, si c'est une MT-900E, ouais. Bah, le tracteur il coûte 425 000. Oh putain. Lui il coûte 4200 par jour. Yes. Bon, on va gagner un petit peu de thunes. Bon, on a gagné 3000 avec le maïs qu'on avait, avec lequel on a commencé. J'ai jamais compris le coût de base et par heure d'exploitation. L'heure d'exploitation, j'ai jamais compris non plus. C'est en gros, c'est au début. Je sais pas. Ou c'est par heure réelle? Ah, tu crois? Ouais, ça me paraît c'est bizarre. Quoi, au final, on a fini à moins 27 000. Ouais, coût de location des véhicules, on est passé à 43 000. Hein. Donc. Ah ouais, et là pour le coup, ça doit être le coût réel. Donc on a 20 000 de lock, c'est ça. 20 000, après, si on fait 45 000 de récolte, ça peut le faire. Hein. Have a drink! And look up! Hey! Gather close and listen here, a tale of mean forever here. A storm is brewing on the rift, no need to make an arcade shift. Happy hours on the rise, I'm rather drunk, that's no surprise. Raise